Et bah salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui on se retrouve sur Pro Cycling Manager 2018 pour faire du cyclocross. Je vais baisser un peu la musique, c'est un peu fort. Pour faire du cyclocross avec un nouveau concept pour ma première vidéo de ma chaîne YouTube, nous allons faire un peu du cyclocross avec la début cyclocross de 2019 d'Alex Gaming et de Toto. C'est une DB vraiment pas mal, j'ai pu la tester et elle est vraiment pas mal, elle bug pas. Donc notre concept aujourd'hui, c'est de venger le deuxième, donc celui-là qui a échoué, qui a pas réussi à avoir la première place, et on va essayer de le venger et terminer la première place. Donc on va commencer du coup par la première coupe, la Trek Cyclocross Cup of Waterloo. Aux États-Unis, donc nous allons prendre Wood Van Aert. Je vais juste faire une liste de départ avec tous les participants qui avaient Donc je vais pas mettre Mathieu Van Der Poel parce qu'il a pas fait les coupes du monde aux États-Unis. Donc je vais pas le mettre, ça sera un peu mieux. Ça évitera que Mathieu Van Der Poel gagne ou finisse dans le podium alors que il avait pas participé à cette course en vrai. Donc du coup, on se retrouve donc après une petite ellipse. Bonjour à vous mesdames et messieurs. Cette course présente des secteurs pavés réputés pour mettre à mal les vélos et les organismes. C'est un véritable exercice de style. Et voilà, on est parti avec Mathieu Van Der... Avec Wout Van Aert, pas Mathieu Van Der Poel. On est parti du coup pour à Waterloo. Pour cette première manche, on est 42. Donc bon, la Mathieu Van Der Poel, la Van Aert. La Landswijk, qui avait fait 3ème. Pour cette manche de cyclocross aux États-Unis, Larson Derrard avec Bonne qui va essayer de sortir. On tente sa chance de loin. Allez, il essaie de sortir avec Larson Derrard qui veut pas le laisser sortir ou qui part avec lui. On va essayer de suivre. Nous. On va essayer de suivre avec le champion du monde en titre. Ça part très vite avec la première difficulté. Avec Mathieu Van Der Poel qui est à côté avec Boros. Boros, le champion de la République tchèque. Oh, certains coureurs explosent littéralement devant le rythme. Ça roule très vite hein, avec la télénet. Avec Lars Van Der Haar qui met un gros tempo pour son autre Toon Aert. Toon Aert qui est là. Toon Aert qui est bien placé. C'est qui est parti devant? C'est Bonne. Bonne est parti devant. Peut-être que Bonne dérange pour la télénette. Alors nous, avec Wood Van Aert, faut bien rester placé. Avec le train. Avec le train de la télénette qui roule à fond. Ils roulent à fond. Ils sont même sortis à 5. La télénette. On a rebouché, mais. On est déjà 25. Ah. Faible peloton alors qu'on n'a même pas fait le premier tour de ce cyclocross avec on vient de finir le premier tour de ce cyclocross. Cette coupe à Waterloo avec devant Bonne qui essaie de creuser l'écart, il a 40 secondes avec un groupe de 9 qui est parti avec Landswijk qui est pas là avec Dan Sott avec Kevin Pauls, avec Tim Merlier, avec Mason, avec David Van Der Poel, avec à peu près, avec beaucoup de favoris, ça, je pense avoir collé avec Navarro, le français, qui essaye de recoller, c'est bon, c'est recollé, ça a recollé, avec toujours le forcing de Lars Van Der Haar, très fort Lars, pour revenir sur Bonne. Bonne qui creuse, hein, qui a creusé, il a 40 secondes. Toujours un groupe de 9 qui vient de sortir.
Ah, ça a recollé. Ça crée les équerres. Et là, on va avoir quelques kilomètres de plat, de repos, avant d'enchaîner deux tours avec les boss, les différentes boss. On va essayer d'attaquer avec Wout Van Aert. Voilà, Wout, faut peut-être te replacer un peu mieux parce que quand on voit un Mathieu Van Der Poel dans les roues de la Telenet, devant même Thunart. Après, ça arrive au sprint. Ça arrive au sprint, bah, c'est Thunart qui est mieux. Mais on est mieux devant Mathieu Van Der Poel, nous. On va se mettre devant. Là, c'est du plat. Bonne va se rattraper. Il est tout seul. En plus, c'est pas un bon rouleur. Quand on a Lars Van Der Haar, un rouleur comme ça, rouler sur lui, ça fait mal. Et Bonne, il avait 40 secondes, là, même pas une dizaine de kilomètres. Il descend à 15. Il va se faire rattraper juste avant la bosse, je pense. La bosse de Waterloo. Le circuit de la Coupe du Monde de Waterloo. Bonne qui se fait rattraper, il est pas bien, Bonne. Bonne, il a utilisé toutes ses forces et ça aura pas été utile aujourd'hui pour Bonne. Qui se fait rattraper par le groupe Lars Van Der Haar, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Thunart. Et oh là, il est fort. Avec non, Lars Van Der Haar qui est plus dans les premières positions, qui relaye plus. Il a peut-être plus d'énergie, Lars. Attention. Oh là là, l'attaque. L'attaque de Lars Kuik et de Tim Merlier. De s'extirper du peloton. Voilà, Kevin Powels. On va essayer de suivre, nous. On va essayer de suivre avec Wout Van Aert. C'est peut-être le bon coup. Sur les secteurs pavés, allez, on essaie de suivre avec Wout Van Aert. Pour éviter de chuter. Et les coureurs qui sont à la limite de la rupture n'ont plus assez de fraîcheur pour le faire. Avec il y a aussi une part de malchance dans la chute, mais la fraîcheur reste un facteur déterminant. Bon, c'est du gros qui est quand même sorti la week, qui était quand même troisième en vrai. On va quand même laisser la télénette rouler. Voilà. Voilà, la télénette, elle a plus de jeu. Plus de jeu la télénette. Hein. Avec Klepp maintenant qui relaye pour la télénette. Un groupe de 19. Voilà, Musson qui va craquer. Des clés qui essayent de rentrer, mais une 16. J'ai envie de dire, ça se trouve, c'est gagné. Faudra qu'on réagisse. Nous, on a déjà réagi. Ça roulait derrière nous. Kevin Powers qui rejoint un groupe de 3. Ça peut aller au bout. Sur la télénette et sont encore 6. On va les laisser rouler quand même. Et toujours Lars Van Der Haar qui est toujours là. Qui avait roulé sur Bonne. Groupe de 10 maintenant. Groupe de 10. Avec Mathieu Van Der Poel qui va être esselé. Parce que son coéquipier est en train d'affaiblir. Là on est sur le plat. Pff, alors c'est que c'est vraiment des bons rouleurs qui sont devant. Donc. Je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup avec Klepe qui est un mauvais rouleur. Avec Von Kessel. Qui va essayer de ramener le peloton sur ce groupe de 3. Avec toujours Kevin Powels, Tim Merlier et Swick. Alors Swick. Qui est devant et qui va essayer de se disputer la gagne. Il reste quand même un tour. Il va rester un tour où je pense que ça va attaquer. Nous on va attaquer. Mais c'est qui, c'est Musson qui veut rouler ou qui attaque? Musson qui attaque. On attaque le dernier tiers de la course. Ce n'est plus le moment. Pour Mathieu Van Der Poel, on va pas attaquer. Ça sert à rien d'attaquer là. La télénette qui roule encore, ça permet de stabiliser l'écart. Mais c'est un éclaireur pour Mathieu Van Der Poel. Pour Mathieu Van Der Poel qui est dans ma roue d'ailleurs. Qui est dans la roue de Wout Van Aert. Avec Boros et David Van Der Poel, Meissen, Bonne, Suarez, Humbert qui sont distancés du peloton maintenant.
À 20 km, on passe au la banderole des 20 km sur la J-Bone. J'ai l'impression que ça sent tant mal. Voilà, Swick qui est un peu crié sur sur ses dans l'échappée sur sur Kevin Powell, j'avais oublié son nom, qui est un peu crié sur Kevin Powell, c'était qu'il voulait pas prendre le relais, mais là une 23. On va attaquer, non? On va attaquer dans la bosse. Faut faire tout péter, faut faire tout péter. Si on va avoir une chance, allez, on attaque. On attaque. On est suivi par Clépé. Allez, dans la côte. Allez, on met les watts. Un Allez, coureur allez. tente sa Allez, chance en Wout. On met les solitaire. watts. Encore 15 km Allez. à parcourir. On lâche les watts pour essayer de revenir sur ce groupe de 3 avant qu'il soit trop tard. Allez. On est en train de faire la jonction. On a un peu plus de 30 secondes. On va prendre notre Cette gel. année, certains secteurs pavés ont On été va prendre notre rénovés. gel Mais attention, énergétique. rénover ne signifie pas pour autant refait à neuf. Je peux vous assurer qu'il Avec reste Van une Kessel qui difficulté roule sur moi. majeure. Van Kessel qui roule. Allez, on essaie de revenir. On essaie de revenir en personne sans sa salle. Jamais revenir. Oh, la télénette sont fort en supériorité numérique. Ça fait mal, mais Clépé est mort. Clépé a plus de jus, on l'a vu. Van Kessel doit plus en avoir beaucoup aussi. Allez, on va foutre une petite attaque pour essayer de recoller sur le groupe. On va foutre une petite attaque dans la côte. Nous sommes maintenant à 10 km de Oh l'arrivée. là, Un Bonne. coureur a chuté. Bonne qui a Il ne chuté. se Oh là relève là, pas. grosse chute. Apparemment, il va Bonne qui être était partie dans contraint à l'échappée, a chuté l'abandon. maintenant. On vient Allez, d'assister à une chute on massive. va attaquer. Mais les coureurs n'ont pas On l'air va attaquer entouchés. le bug du clavier. Merci Cyanide. Allez, on va attaquer avec Wout Van Aert pour essayer de faire la jonction avec ce groupe de 3 pour après. Allez, Wout. Allez. Parce que après ça va être trop tard. Ouais, on a 30 secondes. 30 secondes sur Mathieu Van Der Poel. On va tout de suite prendre le relais et essayer d'attaquer pour essayer de les distancer. Et Abandon du Bonne qui coureur. abandonne. Oh là là. Coup dur. Coup dur pour Bonne qui était parti dans l'échappée. Et Allez, on voilà, attaque avec une Wout van attaque Aert, dans ça le suit groupe pas. d'échappée. Lance Wick et Team Merlier, ça suit pas. C'est Mathieu Van Der Les Poel qui veut coureurs suivre. approchent de l'arrivée. Ils viennent de Mathieu Van Der franchir le Poel en pavillon personne des qui 5 suit. derniers kilomètres. Menu 4 km, c'est gagné. C'est gagné pour nous. C'est gagné pour Wout van Aert, 40 secondes à 4 km de l'arrivée. Wout van Aert, il est parti. Il est parti. Il a rejoint l'échappée. Tout seul. Il a attaqué de loin. Enfin, de loin. Dans le dernier tour. Il a attaqué dans le dernier tour. Et Wout van Aert, voilà, gagnant, gagnant sur cette Magie Waterloo. Voilà, c'est fort, il est fort Wout van Aert. Fort et il a encore du jus Wout. Encore du jus Wout. Il fait même le C'est sprint, parti il va pour la gagner avec une finale. quarantaine de secondes sur Mathieu Van Der Poel. Voilà, il lève les bras Wout van Aert, content, content avec Bravo, Mathieu il Van a Der Poel. Et résisté non, aux yeux de Thunart, ses Thunart qui va adversaires, doubler mais peut Van Der savourer Poel cette grande avec Lars victoire. Wick. Van Der Poel fait 4. Ah là là. On va attendre les retardataires qui semblent C'est nombreux juste le sur premier cette et le course deuxième qui a difficile. changé par rapport à la vraie vie. Alors, Lars Wick, Mathieu Van Der Poel 4, 5 Kevin Powell, 6 Tim Merlier, Carne Van Kessel 7, Lars Van Der Haar. Merci, j'ai dit Lars Wick, c'est Laurens Wick, désolé. C'est Quentin Hermans, Densot. Oh là là, de l'écart, comme de l'écart avec Nicolas Clépé, avec Boros. Ah non, Mussen. Mussen qui va faire la 13ème place, c'est Mussen. Quel Boros, Wouter. Wouter qui va faire 16 avec David Van Der Poel qui fait 17 avec Mussen qui va faire 18. Et voilà. On va du coup voir la lanterne rouge. Lanterne rouge qui essaie de avec Crépin. Ah, pas trop d'écart, on voit que ça a pas beaucoup roulé. Une étape qui est voilà 10 minutes de retard, c'est pas énorme. Même un peu moins, 8 minutes 30 de retard sur Wout van Aert, c'est pas énorme. Alors, pour ça, c'est pas une course qui était très difficile, on peut le voir avec ce parcours, avec quand même beaucoup de plats, avec des petites bosses. Un parcours pas très difficile. Allez, Wout Voici van Aert qui maintenant était les meilleurs facile. moments et les Wout points van Aert forts de la facile. course qui retiendront Qui a la grande rejoint l'échappée attention. dans le dernier tour et qui a ensuite déposé l'échappée avec Mathieu Van Der Poel qui était parti à sa suite. Ils étaient en mauvaise forme. Mathieu Van Der Poel qui a essayé,
qui a pas pu suivre Van Aert dans son attaque et qui dans la dernière côte a essayé de limiter la casse sur Van Aert et de chercher la deuxième place alors que malheureusement il fait 4, Mathieu Van Der Poel. On va jouer à Laurence Wick et à Thunart. Thunart qui fait 2, Laurence Wick qui fait 3. On va du coup voir le podium avec Wood Van Aert qui monte sur la première marche du podium. Thunart 2ème, Laurence Wick 3, Mathieu Van Der Poel 4, 5ème, Kevin Powels. Donc facile Wood Van Aert pour cette coupe à Waterloo. Donc la meilleure équipe maintenant, c'est la Telenet, oui. Telenet, supériorité numérique. Très très fort à la Telenet. Ils étaient 5. 5 à rouler, il roulait, ça a permis de limiter l'écart avec le groupe de 3 là, le groupe de Laurence Wick. L'échappée de Laurence Wick, c'est limiter l'écart. Et ensuite, Wood Van Aert a attaqué pour les rejoindre. Dans la télénet, ils sont combien? Ils sont 1, ils sont 3, 3 dans le top 10. Ils sont forts la télénet. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Thomas Ryder. On va se retrouver du coup pour la deuxième manche du cyclocross. Pour venger Wood Van Aert, je crois. Pour venger Wood Van Aert, c'est bien ce qui me semblait. On va venger Wood Van Aert 3 fois. Beaucoup de fois on va le venger. On va jouer quasiment qu'avec Wood Van Aert. On va juste jouer avec Michael Van Torenhout. Sur la quatrième manche, mais on va jouer avec Wood Van Aert à Iowa City. Encore aux États-Unis, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas du coup à me dire. Je vais faire les previews des courses. Donc n'hésitez pas à me dire quelle équipe choisir pour les previews, comme le Don Tour de Landor que je vais faire, la Grenlang Ocean Classic, Tour d'Abu Dhabi qui arrive après, et ainsi que Paris-Nice, Tour de France, Giro. Je vais faire les previews. En tout cas, je vais essayer de faire les previews. Je vais faire aussi un pro cycliste avec la DB 2019. Bon, pour l'instant, la DB 2019 est pas très bien optimisée, on va dire. Il y a quelques crashs, donc je vais essayer qu'elle soit sans crash pour vous faire cette carrière pro cycliste. Donc voilà, c'était Thomas. Ciao.